Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans la technique de compte-rendu de lecture, aujourd'hui nous allons essayer de voir un deuxième exemple, une deuxième application. Aujourd'hui nous allons essayer de faire le compte-rendu de lecture d'un texte intitulé « La société européenne d'Algérie » écrit par Mahfouz Kaddesh. Bon, comme d'habitude, nous devons commencer par observer le texte afin d'émettre des hypothèses. Notre première observation sur l'image du texte, le texte, il est développé en trois paragraphes, c'est-à-dire qu'il est traité en trois idées, en quelque sorte. Il y a un titre, il y a le nom de l'auteur, la source du texte, la maison d'édition, la date d'édition, et en plus, il y a ce qu'on appelle des notes de bas de page, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont expliqués en bas de page. Vous avez trois mots du texte expliqués en bas de page. Vous avez le mot intrusion, le mot exutoire et le mot Alsace-Lorraine. Aussi, nous remarquons à partir de notre première observation du texte qu'il y a des dates, janvier 1840, 1842, 1846, 1847. En plus de ces dates, il y a des chiffres, il y a des statistiques, 25 000, 44%, 15 000, etc. Et en plus, le texte commence par le mot « la colonisation » et déjà dans le titre, nous avons « la société européenne d'Algérie » alors que dans le titre de la source, vous avez « la conquête coloniale et la résistance ». Donc à partir de tous ces éléments, nous pouvons émettre une première hypothèse sur la thématique du texte qui est une thématique, qui est un thème historique en rapport avec la guerre d'Algérie et normalement, il rapporte des faits qui se sont déroulés pendant le début de la période coloniale parce que les dates que nous avons sont situées entre 1840 et 1871, disons la première moitié du 19e siècle, ce qui correspond à la première partie de la colonisation. Donc normalement ce texte traite un thème en rapport avec la guerre d'Algérie pendant la première période de colonisation. Et il traite le thème de la société européenne, donc il a un aspect en quelque sorte social. Deuxièmement, à partir d'une première observation très rapide, nous remarquons que les verbes sont conjugués ou bien au passé simple, comme « entraîna », ou bien à l'imparfait, comme le verbe « s'élever »,« était », etc. Donc normalement, il s'agit d'un texte narratif, je suppose. Donc, à partir de ces éléments, maintenant, on peut passer à la lecture analytique et nous allons voir le deuxième document. Donc, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Nous avons dit que sur notre texte, on doit marquer, on doit utiliser le stylo pour marquer les notes, souligner les vecteurs d'information. Et comme vous le savez, souvent, dans un texte, la première partie, c'est la partie la plus importante. En général, un auteur, il donne une information, ensuite il essaye d'expliquer. Il donne un point de vue ou bien une thèse, ensuite il essaye d'argumenter. Il expose une situation, ensuite il essaye de donner son point de vue ou bien de lancer un appel. Donc souvent, le début du texte est très important. Le début du texte, si nous allons essayer de voir un petit peu le premier paragraphe, nous remarquons que tout le paragraphe est sous forme d'une seule phrase. Certes, c'est une phrase longue, mais c'est une seule phrase. Et comme vous le savez, une phrase correspond à une information. Donc normalement, l'auteur est en train de nous donner une information. Il y a un seul verbe conjugué, qui est le verbe « entraîner », et le sujet, c'est la colonisation. Donc, ça traite le thème de la colonisation. Je vais essayer de lire le premier paragraphe. La colonisation entraîna l'intrusion d'un peuplement européen minoritaire à la mentalité de vainqueur, privilégié par ses droits de citoyen et la supériorité de ses moyens économiques et techniques. Je passe au deuxième paragraphe. En janvier 1840, le nombre des Européens s'élevait à 25 000, installés principalement dans les grandes villes, mais 44% seulement d'entre eux étaient français. Dans les préfectures de la métropole, on chercha par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et des colons. De 1842 à 1846, arrivèrent de petits propriétaires de Provence et du Nord-Est, de bons agriculteurs espagnols, des Maltais éleveurs de chèvres, des Italiens maçons et surtout tâcherons. En 1847, 15 000 immigrants s'installèrent. L'Algérie devint l'exutoire des populations pauvres du nord de la Méditerranée. Le troisième paragraphe.
Après la guerre franco-allemande de 1870, Paris offrit 100 000 hectares en Algérie aux habitants d'Alsace-Lorraine. Parallèlement à cette immigration organisée, la colonisation libre se poursuivait. La naturalisation accordée automatiquement aux fils d'étrangers renforça la faible majorité française et cimenta un bloc qui se définit par la supériorité de la civilisation française sur la civilisation musulmane et l'infériorité des indigènes par rapport aux citoyens français. Donc maintenant, à partir de cette première lecture, nous allons essayer de dégager le thème et de vérifier nos hypothèses. Tout à l'heure, nous avons dit en hypothèse qu'il s'agissait d'un texte en rapport avec la guerre d'Algérie et plus particulièrement concernant la première période de la colonisation française en Algérie. Nous avons aussi dit qu'il s'agissait d'un texte narratif dans lequel l'auteur raconte ou décrit une période historique de notre pays, l'Algérie. Maintenant, à partir de cette première lecture, nous constatons réellement qu'il s'agit d'un texte historique et qui traite surtout, qu'il essaie de décrire la première période de la colonisation et il décrit surtout l'aspect de la société, comment s'est développée cette société européenne en Algérie à travers son immigration. Donc maintenant, nous allons essayer de passer à la troisième lecture. Nous allons lire maintenant paragraphe par paragraphe. Dans le premier paragraphe, vous avez une phrase simple, sujet, verbe, complément d'objet. La colonisation entraînant l'insurrection d'un peuplement. Ça, c'est la phrase noyau. Donc, la colonisation, c'est le phénomène, bien évidemment. Entraînant, le verbe entraîner, c'est comme les verbes engendrer, donner, provoquer, conduire à. C'est un verbe qui introduit une conséquence. En quelque sorte, là, il va nous présenter une conséquence de la colonisation. La colonisation entraîna l'intrusion d'un peuplement. Ah, déjà le mot intrusion, qui est un mot nouveau pour nous, veut dire le fait de s'introduire dans un lieu sans droit. C'est-à-dire que ce peuplement européen n'était pas le bienvenu, ce n'est pas les Algériens qui les ont invités, donc il est venu sans être le accueilli, sans être le bienvenu. Donc déjà dans le mot intrusion, il y a une petite subjectivité de la part de l'auteur. Il aurait pu dire, par exemple, la colonisation entraîna l'arrivée d'un peuplement. Mais à travers ce verbe, il dit qu'il veut donner un jugement. L'arrivée d'un peuplement qui n'était pas le bienvenu. Bon, ce peuplement, maintenant, il va essayer de le décrire. Et tout ce qui est souligné, c'est la description, c'est des caractéristiques, c'est de la caractérisation. Premièrement, ce peuplement européen. Deuxièmement, minoritaire, à la mentalité de vainqueur, et qui était privilégié par ses droits de citoyen et la supériorité de ses moyens économiques et techniques. Donc, dans ce premier paragraphe, cette première phrase, cette première information, l'auteur nous rapporte un événement en rapport avec le passé. Il s'agit de la colonisation qui a eu comme conséquence la venue, qui n'était pas la bienvenue, ou bien l'intrusion d'un peuplement, et il a essayé d'énumérer les caractéristiques. Normalement, dans le deuxième paragraphe, il va essayer, à travers une description, de clarifier tout ce qu'il a caractérisé concernant ce peuplement européen. Et il commence par donner des chiffres, des données statistiques correspondant à des dates. En janvier 1840, le nombre d'Européens s'élevait à 25 000. Donc vous voyez déjà dans le nombre 25 000, ils étaient seulement 25 000 par rapport au nombre de musulmans, c'est une minorité, installée principalement dans les grandes villes. Mais 44% seulement d'entre eux étaient français, ce qui veut dire que 56% n'étaient pas français. C'est pour cela qu'il a dit c'est un peuplement européen. Dans les préfectures de la métropole, on chercha par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et des colons. Là, c'est les Français, c'est surtout les Français, les colons. De 1842 à 1846, arrivèrent de petits propriétaires de Provence, des colons du Nord-Est, de bons agriculteurs espagnols, donc des ouvriers spécialisés espagnols, des Maltais éleveurs de chèvres, des Italiens maçons et surtout tâcherons. En 1847, 15 000 immigrants s'installèrent. L'Algérie devint exutoire des populations pauvres du nord de la Méditerranée. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'expliquer la caractérisation qu'il a donnée à ce peuplement européen. Il a dit minoritaire. Maintenant, nous constatons, à travers les chiffres et à travers les statistiques, qu'ils étaient vraiment minoritaires. Deuxièmement, il dit qu'ils étaient des Européens et non pas Français. À partir des statistiques aussi, nous remarquons que 44% seulement d'entre eux étaient Français. Il dit qu'ils avaient la mentalité de vainqueur, hein, lorsqu'il dit par la publicité, on cherchait par ramener des corps. Et lorsqu'il dit privilégiés par leurs droits, il essaie un petit peu de donner toutes les caractéristiques, de les expliquer.
La dernière phrase du deuxième paragraphe, regardez, avec le verbe devenir qui est conjugué au passé simple, c'est le résultat de la première phrase ou bien du premier paragraphe. L'Algérie devint l'exutoire des populations pauvres du nord de la Méditerranée ou bien des Européens. Et le mot exutoire, ça veut dire un refuge. On a envoyé plein d'ouvriers, plein de spécialisés et non spécialisés en Algérie, comme un terrain conquis, dans un terrain conquis. Ensuite, il a essayé d'illustrer aussi dans le troisième paragraphe, il dit « Après la guerre franco-allemande de 1870, Paris offrit 100 000 hectares en Algérie aux habitants d'Alsace-Lorraine. » Donc vous voyez comment, à travers la publicité, à travers le don de terre, comment il a essayé d'appeler ces Européens. Parallèlement à cette immigration organisée, la colonisation libre se poursuivait. La naturalisation accordée automatiquement aux fils d'étrangers aussi, lorsqu'on leur offre la nationalité française, c'est une façon de les appeler, c'est une façon de faire de la publicité pour venir en Algérie, renforçant la faible majorité française et cimentant un bloc qui se définit par la supériorité de la civilisation française sur la civilisation musulmane et l'infériorité des indigènes, qui sont les musulmans, par rapport aux citoyens français. Donc, à partir de tous ces éléments, on peut présenter notre texte d'abord comme étant à travers son image, à travers l'auteur, la source, le titre, tous les éléments paratextuels. Ensuite, on va essayer de développer les idées de l'auteur. Donc, dans une trame narrative, l'auteur a essayé quand même, à travers la première phrase, de donner son point de vue sur une des conséquences de la colonisation française en Algérie. Ensuite, il a essayé d'illustrer son idée par des statistiques et par des données chiffrées. Et ce qui nous conduit à donner le compte-rendu ou bien à sortir avec un compte-rendu définitif. Maintenant, nous avons le troisième document qui présente le compte-rendu. Un premier paragraphe dans lequel on présente le texte et dans un deuxième paragraphe, on essaie de développer les idées de l'auteur et vous remarquez que on se réfère toujours à l'auteur, à la troisième personne du singulier. Donc, première partie présentation, il s'agit d'un texte historique intitulé « La société européenne d'Algérie », extrait de l'ouvrage de Mahfoud Kaddesh, « La conquête coloniale et la résistance », édité en 1988 par Nathan Ena. Cet extrait traite le thème de la colonisation française en Algérie et sa conséquence sociale. Maintenant, on va développer l'idée. Pour l'auteur, l'arrivée non souhaitée d'un peuplement européen minoritaire à la mentalité de vainqueur, avantagé par sa supériorité économique et technique, fut une conséquence directe de la colonisation. Pour illustrer cette information, l'auteur a eu recours à des statistiques officielles sur le nombre, les nationalités et la qualité de ses colons et ouvriers européens. Kaddesh ajoute que cette immigration organisée fut encouragée par la publicité à travers le don de terres à de nouveaux propriétaires et l'octroi de la nationalité française aux enfants d'immigrés européens non français. Il conclut que l'Algérie devint un refuge pour ces populations pauvres venues d'Europe. Donc voilà, dans cette dernière partie, nous remarquons qu'il y a une référence à l'auteur. Nous avons essayé de remplacer le mot intrusion par l'arrivée non souhaitée et le mot exutoire par refuge. Aussi, nous avons essayé de reproduire le verbe entraîna par le mot conséquence. Donc, l'auteur, et ensuite le deuxième et le troisième paragraphe, c'était des illustrations pour développer l'idée du premier paragraphe. Voilà le compte-rendu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir.